sociétés et aux futurs candidats. 2012. Nous allons être confrontés, et je parle aussi aux organisations professionnelles et syndicales, mais ils le savent. 2012, au rythme actuel des suppressions d'emplois, des réductions budgétaires, il y a 2011, ce sera déjà la cata. Mais 2012, si nous sommes en responsabilité, ce sera une cata. Non pas parce que vous êtes en responsabilité. Non pas parce que vous êtes en responsabilité. Je veux dire que la situation se sera encore un peu plus aggravée. Et je souhaite, je le dis comme ça publiquement, c'est un débat qu'il faut avoir très sérieux, très profond. Qu'est-ce qu'on fait ? Le nouveau président ou la nouvelle présidente est élu en mai, en juin, je ne sais plus. Mai, très bien. On gagne quelques semaines. Qu'est-ce qu'on fait pour la rentrée suivante? Qu'est-ce qu'on fait pour le mois de septembre prochain? Et on sait très bien d'expérience que les rentrées se préparent plusieurs mois, sinon un an à l'avance. Comment va-t-on faire? Et je demande à tous ceux qui réfléchissent, qu'on songe à la mise au point d'un plan d'urgence, sinon d'extrême urgence, pour la rentrée 2012. C'était extraordinaire, la transition est tout de suite toute trouvée. Alors, Ségolène Royal, qu'est-ce qu'on fait ?